Salut à tous et à toutes, c'est BioxLobby. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo sur Minecraft. Donc, comment faire ce joli bâtiment. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai retrouvé sur Google Images. Mais comme il n'y avait pas de tuto dessus, j'ai décidé d'en faire un. Donc, c'est un petit bâtiment de ferme. Moi, c'est sur ma map, j'ai une map ferme en fait. J'ai fait une petite ferme vite fait comme ça. Et donc, vente de produits du terroir. Et donc vous avez votre petit intérieur. Donc ici vous mettez vos œufs, ce que vous allez vendre. Attendez, merde. Le jeu est un petit peu fort. Voilà. Donc c'est où vous allez vendre vos produits du terroir. Enfin normalement c'est une petite ferme on va dire. Une petite maison de ferme, voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le tuto de la construction. Voilà, donc on se retrouve pour la construction du petit bâtiment de ferme. Donc, vous allez commencer par prendre... Alors, attendez, excusez-moi, je vais... Hop, vous allez prendre de la laine rouge, du bois comme ça, et du verre. Donc, vous allez commencer tout d'abord par faire... le petit endroit en fait où il y aura la porte, enfin les portes parce qu'il y en aura deux, oui. Et ici vous allez compter 3, hop, vous allez faire comme ça. Avec le soleil on a un peu ébloui. Donc voilà, vous allez faire exactement comme ça. Voilà, vous allez mettre une vitre. Donc vous allez faire exactement pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, hop. Voilà. Ensuite, pour la suite de la construction, vous allez tout de suite mettre du bois là, et vous allez faire dépasser de un seul bloc de hauteur. Voilà. Donc ici, on mettra les portes juste après. Niveau décoration, on fera tout après. Donc, vous allez compter 4 blocs comme ça. Vous allez mettre 1, 2, 3... Ça m'a fait peur... Avec l'ombre. Vous allez mettre 4 blocs de bois. Et encore 4, comme ça. Ensuite, vous pouvez en recompter un, parce que vous allez remonter. Hop. Et ici, vous allez remettre directement du bois. Ensuite, là, on va faire vite fait, parce qu'on va, modifier après. Voilà, vous faites vite fait comme ça. Ensuite, vous faites... pareil ici, hop, voilà, vous allez remettre votre bois ici, attendez, là j'ai un petit, ah non c'est bon, comment que j'avais fait ça, c'était ici, vous allez compter, non 2, voilà, vous allez mettre 2 vitres ici, et voilà, et vous allez tout recouvrir de laine. Donc je vous montre un petit peu. Ah oui, non, c'est vrai. Et là, vous allez remettre du bois ici. Et je crois que c'était comme ça. Voilà, c'était exactement ça. Donc ça, c'est c'est derrière. Donc j'ai un tout petit peu modifié l'arrière parce que je me rappelle plus comment que j'avais fait en fait. Donc voilà, on va faire comme ça. Ensuite, vous allez mettre 4 blocs de long, 2 de haut sur le bois. Et vous allez remettre encore de la laine rouge. Voilà, donc aussi je voulais me pardonner pour tout ce temps où je n'ai pas fait de vidéo. Donc ça fait bien 3-4 mois, hein. Ça fait vraiment vraiment longtemps. Et je tiens à m'excuser auprès de tous mes abonnés. Donc désolé. Hop. Voilà, donc en fait, là, je crois que je suis en train de tout modifier parce que je me rappelle plus comment que j'avais fait, en fait. Mais c'est pas grave, ça fera aussi beau. Ouais, ça fera quand même beau. C'est pas si grave. Donc, ah, purée, non, j'ai plus de souvenirs. Ah, si, voilà. Donc, vous allez prendre du quartz slab. Donc, c'est des demi-dalles de quartz. Et vous allez les mettre comme ça. Vous voyez, voilà. Exactement comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir prendre... Alors, attendez.
du bois de d'arbre de jungle là, le bon, bref, vous allez prendre ce bois. Et ah, attendez, j'ai un petit problème, je me rappelle plus comment j'avais fait ça. Donc les amis, bonne nouvelle, en fait on avait tout bon, enfin j'avais bien fait comme ça. Donc ensuite vous allez mettre un bois comme ça, en fait vous allez monter, vous allez en mettre 4, donc comme ça en gros, voilà, jusque 4, vous voyez, 1 2 3 4. Hop. Et voilà, c'est tout. Ensuite, vous touchez plus. Donc, vous allez mettre votre bois de jungle. Voilà, nickel. Vous allez, attendez. On va refaire ça avant de commencer le. Mince. Et ici, si je ne me trompe pas, ouais, on en remet deux. Voilà. Donc vous allez faire pareil à l'arrière, donc avant toute chose, on va 1, 2, 3, 4, hop, et on va mettre des barrières en bois. Voilà, donc vous allez faire la même chose derrière sans mettre les barrières en bois. Donc une fois que c'est fait, vous allez reprendre donc votre bois de chêne, et en fait vous allez en mettre au-dessus, vous allez dépasser. Et vous allez continuer sur toute la longueur. Hop, donc vous dépassez d'un. Voilà. Exactement ça. Donc ensuite, vous allez reprendre votre quartz slab, pardon. Et vous allez en mettre tout le long. Mince. Vachement beau avec le shader, ça brille, on dirait vraiment que c'est illuminé complètement. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez en remettre un là, là, là et là. Voilà. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah ouais. Voilà, et vous allez mettre du bois. Donc du bois de chêne. Suivi de laine rouge. Ah purée. Attendez. Hop, voilà. Vous mettez directement comme ça, voilà. Donc ici, vous allez faire exactement la même chose. Voilà, donc votre petite maison de ferme est à présent terminée, donc il manque plus que la décoration. Alors pour la décoration, vous allez prendre tout simplement du feuillage de chêne. Et vous allez en mettre donc ici. Et puis, tout le long là, comme ça. Vous pouvez même en mettre derrière, mais moi j'en mets pas personnellement. Enfin, au début, je voulais en mettre juste un là comme ça, mais c'est vrai que ça fait pas mal en fait, donc je vais le faire. Hop, vous refaites pareil de l'autre côté. Donc, niveau intérieur, je vais pas le faire, vous allez vous débrouiller seul. Parce que je n'ai pas trop d'idées pour l'intérieur. Bon, si, après le sol, on peut le faire par exemple en bois de jungle, hein, ça fait vraiment beau. Et sinon, c'est une petite idée intérieure. Vous allez prendre la glowstone. Et attendez, vous allez en mettre. Pardon. Un peu mal à la gorge. Je crois que c'est ça. J'ai dû me tromper. Comme ça. Ah oui, voilà. Ah! Qu'est-ce que je fais? Voilà. Oui, c'est ça, voilà. Wow. C'est bizarre. Et donc, vous pouvez aussi rajouter une ou deux torches par-ci, par-là. Hop. Et voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. Si vous avez aimé ce petit tuto. On a fini juste au coucher du soleil. Si vous aimez, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager sur Facebook, sur Twitter, sur n'importe quoi. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine. À plus tout le monde.